Aujourd'hui, on s'attaque à la construction d'une nouvelle base lunaire qui est ni mobile ni faite à partir des tuiles gonflables. Elle va être un petit peu plus classique, même si le design, c'est un truc que j'avais pas eu l'habitude de voir, que j'ai vu sur un stream de IGSL, le streamer américain dont j'avais parlé pour les vidéos sur le shuttle. Et c'est un de ses viewers qui s'appelle Kernik qui avait posé un lien Inmur dans son chat où il montrait sa base. Et j'avais trouvé que c'était tellement smooth comme design, tellement bien fait que je voulais en faire une en un peu plus gros. Du coup, toute l'idée de ce truc en fait vient, enfin tout le design vient de lui. Je voulais me refaire une base lunaire plus classique comme on faisait à l'époque en Alpha où le but c'était d'avoir une grosse base lunaire, on était content. Bah, j'ai voulu faire un peu le même délire. Donc le lien Ingmur est dans la description. Tous les crédits du design vont à lui. J'ai rien inventé. Il faut l'inspirer. Et donc pour lancer ça, bah, on va reprendre un lanceur à l'ancienne qu'on n'a pas vu ici depuis un bail. C'est Malima 9 avec sa version la plus puissante, avec 9 boosters à la base comme une Delta 2. Et voilà la base avec son module de descente, son petit truc de montage, etc. Mais on y reviendra plus tard. Et cette mission, j'en ai chié, mine de rien, pour une base lunaire à la con. Parce que je voulais me refaire une base lunaire, une grosse base lunaire, pas un truc basé sur les shields ou qui roule vraiment. Grosse base, enfin grosse, elle est pas si grosse que ça, mais il y a un petit 380 parts quand même. Grosse base lunaire sur KSP et je voulais la poser à côté d'un Easter Egg. Dans le sens où celle qui est gonflable est posée pas loin du monument Neil Armstrong. Enfin, du monument Apollo 11 globalement, même s'il s'appelle le Neil Armstrong Monument. Et celle-là, du coup, bah, comme montré la miniature, je vais la poser à côté de la soucoupe volante qui est au sud. Donc pour ça, puisqu'on utilise un lanceur à l'ancienne, bah, il va falloir ravitailler ou prendre un étage de transfert au nucléaire. J'ai préféré ravitailler, puisque j'ai cet énorme ravitailleur d'une Alpha 17 qui traîne en orbite basse. L'avantage d'avoir beaucoup d'heures sur une partie, c'est qu'on se retrouve à avoir littéralement 15 000 litres de carbu qui traîne en orbite basse, on ne sait plus comment, donc bah, tape dans la réserve quoi. Donc je me dock sur un des ports du côté, et là vous pouvez déjà commencer à voir comment la base est stackée. C'est un beau bordel, et ça passe crème. Les docking ports s'entrechoquent un peu quand on découple, mais globalement on est bon. A savoir que le module de descente est aussi monté là, et que le système de module que j'ai voulu de descente que j'ai voulu faire en fait va être vachement sympa, je trouve. Mais j'ai fait une erreur qui va rendre tout le truc extrêmement relou, ça va être incroyable. Une petite erreur de merde et tout part en vrille. Donc je remplis le gros réservoir dont j'ai absolument pas le nom de carbu qui est le principal en 3,85 m pour pouvoir faire tranquillement le burn. Enfin, l'injection lunaire qui se fait là en x1, là la vidéo n'est pas accélérée. On peut voir un peu la douleur du processeur et de la RAM actuellement. Pour propulser les 30 tonnes de la station, de la base. La base en elle-même fait 30 tonnes. Sans compter le module de descente, c'est vraiment juste ce qui sera posé au sol au final. Donc sans la descente, sans le carbu, etc. Pendant qu'on est sur le chemin de l'injection lunaire, on fait une petite correction de 85 mètres secondes pour mettre son apoapsis lunaire bien en dessous pour arriver sur une orbite polaire. Qui type ça à la con comme ça, mais 85 mètres secondes ici, ça permet d'en se regarder pas mal. Et après, les emmerdes vont commencer, dans le sens où j'ai voulu faire un truc un petit peu à la Apollo, où les mecs chopaient le LEM, enfin c'est vraiment juste par rapport à la période, hein. Les mecs chopent le LEM pendant qu'ils sont en transit, bah, j'ai voulu faire pareil. Donc ces trucs-là vont venir se docker sur le port de dock que je vais target dans quelques secondes. Je le sors et je target le port de dock qui est là. Et donc le but est de docker chacun de ces trucs, enfin chacun des deux là, d'un côté, et ils sont parfaitement alignés avec le centre de masse. Et là, bah, va y avoir une couille, c'est que j'ai mis des batteries, mais j'ai pas mis de panneaux solaires. Ni de RTG, truc que je fais tout le temps. Donc, bon, bah, on est F9, on va circuler autour de la Lune, et on va régler le problème. Il m'aura fallu 3 essais pour le régler. Hein. À chaque fois, le problème en cause, c'était la hitbox de merde des docks. Mais enfin, des merdes, non, au contraire, c'est tout sympa, mais. Bref. Du coup, pour régler le problème, on va tirer une proton qui va pouvoir aller jusqu'à la Lune parce que je tire des pièces qui font exactement une tonne chacune et j'en tire deux. Donc oui, une proton avec 2 tonnes dans les fairings, ça peut aller jusqu'à la lune avec le troisième étage et avoir encore beaucoup de delta V, donc c'est vachement intéressant. Dommage qu'elle soit pas human rated, ils auraient pu faire des radias là-dessus. Enfin bref. Du coup, les pièces que je vais docker, que je vais prendre, c'est globalement c'est une probe, une SLS wheel, un peu de RCS pour pouvoir se déplacer, deux docking ports et des RTG. Et le but c'est d'aller faire la jonction entre le docking port du réservoir là où il y a le moteur J2. Qui va apporter l'électricité à tout le bordel pour pouvoir déplacer tout ça et l'envoyer sur le côté. Rajouter une tranche en plus. Ce qui est en soi la solution la plus rapide parce qu'il m'a fallu un quart d'heure pour la faire à tout péter. Même pas 10 minutes pour la faire après l'envoi. Le problème c'est que je vais avoir des tipiti bugs de hitbox. Voilà. J'ai fait des navettes pendant trop longtemps, je pense que le jeu veut me punir. Bref, petit lancement en proton qui va
Puis je suis obligé de caler sur la prograde à ce moment-là, sinon j'ai trop de résistance de l'atmosphère. Un petit peu chiant, enfin je pars beaucoup trop vite, du coup il n'y a pas de tonne dedans, ça c'est marrant à voir. Le deuxième étage qui va servir à circulariser, et j'aurai encore 500 mètres secondes de libre dedans, je crois. 500 ou 300, je sais plus, enfin j'aurai encore masse delta V dedans. Et le troisième étage sera pour l'action lunaire. Là on peut voir tout de suite les deux disques à la con. Qui devait servir. J'ai trouvé une solution à la fin qui a nécessité des LTF12 pour pas reperdre une demi-heure à l'envoyer, mais globalement c'était les mêmes masses. Donc, question de gain de temps IRL. Voilà, on a le troisième étage de la proton pour l'injection. Là on voit exactement les deux disques qui sont l'un sur l'autre que je voulais ajouter sur les docking ports pour apporter justement juste 2 RTG. Enfin, il y en avait 4, mais 2 aurait suffi. Pour remplir les 10 stockages d'énergie qui sont dans chacune des toutes petites octoprobes. Donc 5 dans chacune, donc 10 en tout. Et ça aurait été une belle merde. Et voilà, je passe directement au transfert pour ce que je voulais faire. Le but c'était de le caler là. Comme ça, bah, on a de l'élec. On est bien, posé, pas de problème. Le truc c'est que déjà, bon, je contrôle. Le point de contrôle est à 80 degrés. C'est-à-dire que quand je vais à la gauche, il faut que je descende. Faut que je monte. Non, faut que je descende. Non, faut que je monte. Quand je vais à la gauche, faut que je monte. Quand je veux aller en bas, il faut que j'aille à gauche. Enfin, c'est un bordel. Tout est inversé à 80 degrés dans le sens anti-horaire. Et voilà. Je force, hein. Si la force brute ne marche pas, c'est que tu n'en utilises pas assez, bah là pour le coup, non, ça veut pas. Donc là, je suis clairement dépité, vous avez pas idée à quel point. J'ai le seum, donc je me dis que bah, les lightbox et dock interfèrent l'une entre elles. Donc je vais retenter pareil avec des docking ports légèrement plus éloignés, ça va faire le même résultat. Donc à la fin, tant pis, fou, un grappin. Simplement. Grappin que j'ai envoyé en LTF12, les deux grappins plus un truc qui les tenait, mais le réservoir de protons, troisième étage de protons, est encore à côté. Et sachant que les deux docking ports pèsent chacun 500 kg, non moins. Chacun des docking ports pèse 50 kg, donc ça fait 100 kg en tout, et un grappin pèse 75 kg. Donc j'aurais très clairement pu amener les deux grappins en orbite lunaire avec le même lancement, le même proton, le même lanceur proton. Donc question de gain de temps, Altf12. C'est question de gain de temps pour le coup. Ensuite on va aller docker cette merde. Parce que là c'est pareil, je contrôle à 90, c'est-à-dire que si je veux aller vers la droite de l'écran, il faut que je descende. Ouais, il n'y a aucun docking port qui est bien aligné. Je sais pas ce que j'ai branlé, il n'y en a aucun qui est bien. Sans compter que là c'est pareil, le truc qui est penché de base, enfin c'est incroyable que j'ai first try les deux docking relativement bien, sans qu'il couille au moment du freinage. Je pense que les CSU l'ont pas mal aidé, mais le centre de masse est déjà bien réparti. Bon là du coup ça fait un petit vide entre l'étage et le module de descente, on peut appeler ça comme ça. On va avoir la gueule du truc à la fin, c'est pas mal. Donc du coup ces petits grappins servent à apporter l'RTG, l'énergie pardon fournie par les RTG qui sont sur le grappin, à tout ce bordel. Et après avoir docké ça, donc je vais virer les grappins. Et là, les plus attentifs auront déjà capté que si j'enlève les grappins, il n'y a plus d'élec là-dedans, et s'il n'y a plus d'élec, je le contrôle plus. Donc en gros, à la fin de la mission, quand j'aurai démonté toute la base, je ne pourrai plus contrôler ce truc. Parce qu'il n'y aura plus de courant. Altf12 qui va encore servir, histoire de régler le problème parce que j'ai un Kraken qui a frappé. Bref, on en parle plus, on reparle de ça au moment prévu. Donc je vire ces deux grappins à la con. Je skip toute la descente d'orbite, du module, etc. Le réservoir, je le plante à la fin, enfin bref. Pour arriver directement au moment où je me pose à côté, juste à côté de la soucoupe, on a le petit drapeau que j'avais posé qui me sert de repère. Et niveau atterrissage de merde, il est pas mal. Mais mine de rien, il est propre. Tac, prograde, tac, elle est verticale, et on est bon, on descend. Je me suis dit, ça y est, premier atterrissage, il est foiré, je vais me poser sur le cul, non, que dalle, ce truc a assez de torque pour se redresser assez vite. Bon, bah, sinon, on se pose tranquille, et là, ce qui est génial, c'est les suspensions en gravité basse. Ça rebondit dans tous les sens. Bref, le truc est posé, mais je vais pas le laisser là, parce que vu la pente, je suis pas dans la merde. Donc, premier truc à faire, trouver une zone plate. Pas forcément horizontale, mais plate, au moins. Mais le plus horizontale possible. Donc on prend ce petit truc qui va me permettre d'assembler la station entière, avec plus ou moins de galère. Et on va juste regarder la navole pour trouver un endroit plutôt plat, on voit bien la soucoupe qui est devant. Si vous voulez savoir où elle se trouve et où se trouvent tous les autres easter eggs de la lune, description, j'ai la vidéo. Oui, ils sont tous. Donc j'ai trouvé qu'il y avait une zone plate, si on regarde le véhicule de ce point de vue, tout à droite c'est une zone qui est plate. Donc je vais venir mettre la base encore stackée au bord de cette zone pour pouvoir décrocher les modules un par un et les assembler vers la zone plate. Les lags sur la vidéo, c'est juste des lags sur le clip.
parce qu'il y a beaucoup de parts, qu'on est sur la Lune, qu'il y a du RCS, du SS et des moteurs en tous les sens. Et qu'en plus c'est galère à contrôler, donc c'est pas fluide. On va le poser donc au bout de la zone plate. En fait je vais le poser sur le véhicule, mais je vais d'abord virer le véhicule, donc je le pose à côté, je le tourne. Et on sera bien, j'ai encore pas mal de carburant pour la suite, mais ça ce sera juste pour l'éclater. Et encore que, on verra. Mais là globalement, on est arrivé, c'est pas mal. Enfin il m'aura fallu 3 fois quand même, je l'aurais fait en 3 fois. Il m'aura fallu 3 heures, 2 heures et 2 heures pour le faire en tout. Avec récupération des morceaux, etc. Enfin, destruction des bouts. Là, j'ai viré le véhicule, je l'ai tourné, donc on va juste le reculer pour le mettre au bout de la zone plate. Donc voilà, comme on recule une base de 30 tonnes sur la Lune, quoi, genre... typiquement à la SGAG. Mais ça fait le taf, encore une fois, les suspensions qui sont extrêmement chiantes parce que je les ai pas réglées en fait, j'ai mis le réglage automatique et puis tant pis, ça fera le taf. Et donc, comment est-ce qu'on démonte une base comme ça? Bah, on sort les pieds et on découple. Et toutes les pièces vont être découplées comme ça. Toutes. Pour ensuite venir les choper grâce à ça. Alors à chaque, il y a 4 types de modules dans la base. Il y a les SAS, donc ça c'est un SAS. À côté on a les LEC, ensuite les 4 c'est les labos. Et après on a les 6 tubes, c'est de l'habitation normale. Je vais montrer à chaque fois le process entier pour un des trucs. Et le reste après c'est du timelapse. C'est juste la coupure quand je vais poser et assembler. Sur le gain du temps, parce qu'on a quand même une vidéo de 20 minutes pour assembler une base lunaire à la con. Hein. Si j'étais parti sur Mars, je vous raconte pas le merdier. Ça c'est soon. Enfin bref. Donc je chope le SAS par dessus comme ça. Pour le balader tranquillement, je vais le poser où je veux, je remets les pieds, on le undock, et il est posé là. Même si bon, le Kraken va commencer à faire chier, vous savez que si vous posez un truc en low gravité avec des pieds ou des roues sur la Lune, il a tendance à glisser un peu sur le terrain de temps en temps. C'est ce qui va m'arriver, ça va provoquer un bug et du Kraken. Mais enfin, pour résumer cette vidéo, franchement c'est Kraken, il y a du Kraken dans tous les sens, c'est absolument magnifique. Deuxième sas de poser, ensuite les... comment on va appeler ça? Les modules d'ELEC, parce que j'ai juste 8 panneaux et une batterie. C'est con, mais c'est parce qu'il fallait bien mettre des panneaux solaires sur une base quand même, fallait faire ça bien. Que je vais aussi choper avec ce côté-là du véhicule. À ce moment-là, toutes les suspensions sont réglées en auto. Que ce soit la résistance du ressort ou la compression de base, enfin, la compte pas du ressort forcément, mais la réponse, tout est mis en auto. Je le mettrai les réglages manuels plus tard quand je devrais porter des trucs un peu plus lourds, du type la moitié de la base d'un coup, mais on va y revenir plus tard. Je vais venir poser tous les trucs d'ELEC à côté. Parce que le. Pourquoi je les pose là et je les assemble pas tout de suite? Parce que tout est assemblé autour des 6 modules qui sont assemblés dans le fond. Oui, c'est con, c'est comme quand on fait un déménagement, vous mettez le frigo derrière et le canapé devant. Il y a un truc qui va servir plus dans l'immédiat que l'autre, bah j'ai fait de la connerie. Le but c'est donc de tout décaler pour ensuite commencer à assembler le squelette qui va être les modules et après on met les trucs autour. Et donc j'y repense, c'était extrêmement con de faire ça parce que du coup j'ai fait des manips en trop. Et même des manips qui ont provoqué des bugs du coup, mais bon, le F9 est là. Heureusement, même s'il y a un F9 qui m'a quand même pris un quart d'heure à refaire, mais c'est de ma faute, faut arrêter d'être con et faut arrêter de les faire tous les quarts d'heure. Le quatrième est posé, on va passer au labo. Et là, les labos, ça fait déjà 2,5 tonnes juste le laboratoire. Donc, quand ça tape le sol, ça tape. Voilà, ça rebondit un peu moins bien quoi. Tu es sûr que la trappe du dessous elle va manger le sol, ça c'est la base. Et pour le coup là on va le choper avec l'avant du véhicule, parce que la partie avec le où je chope les parties précédentes c'est l'arrière, donc là c'est l'avant que je vais dock. Pour ensuite retirer les pieds tranquillement, transférer toute la masse sur les roues, comme pour tout ça en fait. Et à chaque fois tout est bien calé pour que ce soit à la hauteur des docks sur lesquels il va se docker. Sauf à deux exceptions, mais petit problème de rotation pendant le docking, on va y revenir plus tard, ça m'a bien fait chier. Deuxième laboratoire de sortie. Toujours posé comme ça, eux vont pas trop glisser, les modules d'ELEC par contre et les SAS ont beaucoup glissé jusqu'à quasiment se glitcher l'un dans l'autre, enfin entre eux plutôt. Troisième labo de posé, paf, quatrième labo de posé, on peut attaquer les vrais modules. Les vrais modules que j'aurai un peu de mal à undocker parce que les deux premiers ont des ports de dock qui sont très proches, mais enfin on va le voir maintenant. Je le montre pour cela, je le montrerai pas pour ce duo, alors que c'est ce duo que j'ai géré le plus. Alors là bien évidemment c'est la galère pour trouver quel est le bon craft. Hein. Mais bon, on y arrive. On pose ce petit truc qui a des petits panneaux solaires quand même, c'est le changement que j'ai fait par rapport au... Enfin, c'est un des changements que j'ai fait par rapport au design de Karnik. J'ai mis des panneaux en plus et j'ai légèrement changé la façon dont sont posés les docks. Mais globalement, le design de base, je le trouve tellement réaliste que j'ai pas voulu trop dénaturer en soi. Il est propre, j'ai juste fait un véhicule par contre qui est totalement différent, parce que les trains d'atterrissage, moyennement la conf, on va dire pas du tout. Je préfère ces trucs-là, au moins ça peut encaisser des bons gros chocs. Pour l'avoir déjà testé, cette suspension sur la Lune, c'est la vie.
Je pose le premier module là, même s'il est con, puisque bah, c'est pas là que j'aurais dû le mettre. Le tout premier que j'ai posé, c'est celui-là. Puisque celui d'après va venir ce dock sur le côté. Parce que la base a une forme de T, comme on voit dans la miniature. Là, je suis en train d'assembler le T. C'est la barre de gauche que je pose. Tu comprends? Oui, j'ai totalement oublié de sortir les pieds avant de les docker. Oui, c'est con. Ensuite, deuxième module. Là, je pense bien mettre les pieds avant de les docker. On remarquera, je deviens moins con à force. Quatrième module, donc troisième dock de la base. Et là, le problème, voilà, parfait. Petite attaque du Kraken. Les deux, ça, c'était l'un dans l'autre, donc j'ai voulu les virer pour en poser un. Et bon, les suspensions sur la Lune, et même les suspensions dans KSP de base, c'est pas la fonctionnalité la plus fiable, quoi. Du coup, ce truc-là va taper. J'ai quand même voulu savoir, est-ce que c'est une suspension qui va prendre, et donc ça peut être marrant, ou non, que dalle, c'est le sas qui a pris. Voilà. Donc, on F9. On passe directement à la fin du squelette, du coup, parce que j'avais mis une part entre-temps. Mais du coup, j'ai eu la flemme de la remettre, donc... Tout le squelette one shot, dernier moment du squelette, enfin le module de lévitation en soi, ici. Ensuite on peut passer à l'élec. Et on va avoir des petits problèmes après. Petit sas ici qui vont se mettre comme ça, il y en aura un de l'autre côté aussi sur le sommet du T. On peut dire ça comme ça. Et là on commence à avoir des problèmes dans le sens où le module d'habitation, donc blanc, auquel il est docké, auquel je viens juste de docker juste avant le module d'élec, il n'est pas parfaitement bien calé niveau rotation. Il a un petit peu tourné donc ça va faire chier. Et ça va bien faire chier, donc je vais devoir m'occuper de régler tout ce bordel en fait. Et même là, ça marche pas. Donc là, bon, on va juste accélérer comme un tocard. On va pas commencer à jouer avec les suspensions, hein. C'est compliqué, accélère, c'est mieux, accélère garçon, ça marche mieux. Ensuite, là, pareil, un tout petit peu mal placé, mais ça, ce sera pas un problème, contrairement à l'autre côté qui va être un gros problème pour la suite. Parce que la station, elle est la base, elle est clairement pas droite. Bon, le terrain de base est pas droit, mais on peut quand même faire ce qu'on peut. Dernier labo, et donc là je vais devoir couper certaines parties de la base. C'est à dire que la partie à laquelle je vais me docker là est séparée du reste, et la partie à laquelle elle était attachée est aussi séparée. C'est à dire que là il y a un module, un labo, un truc d'élec. Ça c'est en un seul bloc et c'est détaché de celui d'à côté qui est lui-même détaché de celui de la base. Tout le monde suit? En gros, il faut que je dédoque ces trucs là pour qu'ils se recollent tous correctement au sol par rapport à la gravité, qu'ils annulent leur rotation. Que je m'éloigne suffisamment loin et que voilà, ça, cette deuxième partie là est dédockée. Que je pars suffisamment loin et que je redocke pour qu'il soit bien par rapport au sol. Donc là, je viens de redocker le premier, qui est donc bien par rapport au sol. La base n'est pas partie en couille. Et je vais galérer à docker le deuxième, parce que le dock est un tout petit peu trop bas. C'est-à-dire qu'on est en abo sur la Lune, il y a un peu de masse quand même, les docks ont du mal. Donc il va falloir jouer avec la suspension. On monte à fond le ressort de la première suspension, paf, ça dock. C'est beau. On met le deuxième sas de l'autre côté. Et après il va y avoir la petite séance clic droit, extend panel, parce que j'ai totalement oublié de mettre avec une groupe pour ça. C'est-à-dire qu'on va faire ça maintenant, voilà, on apprécie beaucoup de panneaux solaires, les 1 par 6, hein, classico pour un truc comme ça, parce que j'aime pas trop les 3 par les 3 par 2 pour une base, c'est pas fou, ça utilise. Il n'y a pas une belle utilisation de l'espace, sans mauvais jeu de mots. Et j'ai aussi deux petites échelles à déployer devant chacun des sas, même s'il n'y a actuellement aucun carbal sur cette station. Pour une raison qui est Kraken, encore une fois. Dans le sens où ce petit véhicule là que je m'utilise pour me déplacer sur la Lune, c'est celui là qui m'a permis de trouver tous les Easter eggs. Bah comment dire, je voulais amener les carbales jusqu'à ces stations pour pouvoir, avec le dock qui est en dessous, mettre de l'électricité dans le module de descente. Pour pouvoir allumer le moteur, que l'alternateur marche et du coup ensuite l'envoyer très très loin dans le ciel pour qu'il tombe très très fort sur Terre. Problème, j'ai pété R16 donc bah F9. Et là c'est le Kraken quoi. Ah là là. Y'a rien qui a survécu. J'ai essayé plusieurs F9, Unbreakable Parts, Unbreakable Joint, Ignore Max Temperature, que dalle. J'ai essayé de charger le via la tracking station, que dalle, il disparaît. Donc du coup, Infinite Electricity. Et vu que ce truc n'a pas de contrôle en SAS, parce que j'ai besoin de capter que j'ai totalement oublié de le mettre en fait je m'étais dit, je vais pas le mettre pour économiser de l'électricité, mais vu que je suis en Infinite Fuel, bah on s'en fout. Mais bon, hein, c'est KSP, il faut les explosions, il faut les trucs un petit peu débiles, bah voilà, la part débile de la vidéo, elle est là. Le truc fait des tourbillons dans tous les sens pour venir s'exposer sur la Lune. Et laisser aucun débris. Ce qui est un bon point. Donc ce truc tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Je le décale légèrement par rapport à la station. Par rapport à la base, pardon. Et bah on va venir gentiment s'exploser dans le sol. Hein, ce classique, quand on veut détruire un truc, c'est ce qu'il y a de mieux. Les missions Apollo l'ont fait, je sais pas pourquoi je ne fais pas pareil. On vient exploser absolument tout. Il y a une petite jambe qui reste qui va partir. Ensuite, prochain truc qu'on expose, troisième étage de la Proton, encore une fois sur la Lune. Et là par contre je vais juste me gaver parce que je vais le faire descendre et je vais accélérer en plus. C'est du carbu, il me demande pas pourquoi, je trouve ça marrant. Bah, ici il accélère.
Je l'explose. Le deuxième étage de la proton, je l'ai pas enregistré, mais je l'ai fait réentrer avec un de mes récupérateurs de débris. Je suis allé le choper et je l'ai ramené dans l'atmosphère de Carmine tranquillement pour l'éclater. Ensuite, on a ce réservoir-là avec encore les deux trucs que j'ai ramenés en orbite terrestre et que j'ai fait exploser dans l'atmosphère de Carbine. Et là, j'ai légèrement mal géré mon warp, on va pas voir la réentrée. Légèrement surdosé le warp. À peine. Vraiment, hein. Un chouïa, les gars, je vous jure. Donc, ce truc s'expose dans l'océan. Je sais pas lequel. À côté du KSC. Que j'ai... Ma barre, j'ai pas si loin que ça. Hein. J'aurais pu exploser une Falcon 9, hein, sur un malentendu. Ensuite. On finit la vidéo ici, on a la station, le véhicule est sur le côté, et juste en face, on a la soucoupe volante.